hand. No! Oh, comment tu es? Oh, arrêtez, tu ne peux pas te reposer.
da drüben! J'adore ces ordinateurs tourikiki. Il y a sûrement des infos croustillantes dedans. On dirait qu'ils ont commencé à évacuer des habitants. Les émeutes parisiennes font rage. Les nazis sont en train de faire dans leur froc. Ces nazis sont à gerber, Jess. C'est la lie de l'humanité. La putain de lie de l'humanité. J'entends bien des sirènes, non? Ils doivent être en train de vider les rues. J'espère qu'ils s'en prennent pas aux civils. Il nous faut un code. On devrait chercher dans la guérite. Attends. Arrête, Marlock! J'ai besoin de ton aide par ici, Sof. Ich wechsle die Position!
Ich lade jetzt nach! Non mais, regarde cet endroit, c'est totalement désert. On croirait un peu la fin du monde. Oh, intéressant. Ça mérite qu'on en regarde de plus près. Ça va? J'ai marqué un ennemi. J'ai mis un marqueur sur cette cible. Commandant, our forces are under attack!
concentre sur le Panzerhund, Jeff. Bewegung!
Vater konnte die Zukunft voraussehen und hat dem ein Ende bereitet. Vielen Dank, mein Führer. Heil Hitler! Je me sens complètement invincible, sauf... Je pourrais même aplatir Sarah Jane du lycée. Sarah Jane t'avait pelé ton 4 heures, ça fait pas de la nazie. Ouais, mais presque. J'ai trouvé un truc à lire, sauf... Et voilà, une gâterie rien que pour vous. Oh mon Dieu. Le vin se marie parfaitement bien avec le chocolat. Cigarette ? Non, 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 tu dois aspirer la fumée jusque dans les poumons, comme ça.
À toi. Oh, si seulement nous n'étions pas en pleine guerre, vous passeriez les vacances de votre vie ici, mes chéris. Faites en sorte de bien profiter de chaque petit instant. Mesdames, j'ai décrypté des fragments de renseignements volés sur l'ordinateur. Des rapports de nazis qui ont survécu à une tornade du nom de Blaskowitz. En recoupant ces données et en les associant, j'en ai déduit qu'il était à la recherche d'un endroit appelé le Labo X. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Grouillez-vous! Attends un peu, Jess. Il n'y a que quelques privilégiés qui savent où se trouve le Labo X. Assieds-toi, demeurez. Je t'emmerde. Vous parlez allemand? Suffisamment. Babi? On a intercepté une transmission venant du général Lothar Brandt. Écoutez. C'est tout ce qu'on a. Tiens, donne-moi ça. Le général Lothar a construit les frères pour soumettre Paris et en prendre le contrôle. Dans chacune de ces tours, un Uber-commandant est le gardien des clés des ordinateurs principaux. Si nous parvenons à mettre la main dessus, nous pourrons alors débloquer l'entrée du Labo X et trouver votre père. Se faufiler dans les tours, tuer les Uber-commandantes, voler leurs clés, accéder aux ordinateurs et c'est dans la poche de Mamie Maggie. Ma grand-mère s'appelait Janine. Et elle a été tuée par les nazis. Oh, désolée, vraiment, c'est juste une expression que Kenneth et Arthur utilisaient. Allez, détends-toi, je te faisais seulement marcher un peu. Je la connais, l'expression à propos de Mamie Maggie. C'est pour moi. Merci. Sauf, je pense que les frères ne sont pas à votre portée. Il faudra que vous vous entraîniez avant d'avoir ne serait-ce que l'idée de vous approcher des tours. Bon courage. Ah, et n'hésitez pas si vous voulez plus de cigarettes. D'accord, les filles? C'est du bon travail, Abby. C'est dingue ce qu'elle a la classe. Y a pas un truc qui nous échappe? Genre quoi? Le serpent dans les hautes herbes. Tu pourrais pas profiter un peu de la vie de seconde, Jess? Déjà parlé de son père. Elle me l'a juste décrit comme un avocat qui a tué les nazis avec papa dans les années 60. Et il y a une histoire d'extraterrestres, je crois. Des extraterrestres? Waouh!